ça devient le monde que tu construis. Qui ont donc entendu la langue de par leurs grands-parents, les parents, mais qui n'ont pas pu véritablement apprendre, et qui ont donc voulu aller un petit peu converser, un petit peu plus mieux connaître la Pologne, avoir envie de faire découvrir la Pologne, etc. Et voilà quoi, et retourner éventuellement avec les gens qui connaissent un tout petit peu mieux pour faire justement cet échange et pour réapprendre un peu polonais pour, parce que c'est la langue des origines de leurs parents, grands-parents, etc. Et au fur et à mesure que c'est tout jeune, hein, au fur et à mesure, on fait aussi une cuisine polonaise, des ateliers de cuisine polonaise. Et puis voilà, on présente notre association ici et on se réunit le premier lundi de chaque mois, le soir. Et voilà, on parle donc de tous les événements, des fêtes, comment on passe les fêtes de Noël, de Pâques, etc. On parle aussi des choses culturelles, on parle de musique, on parle des livres et on essaie d'intégrer quelques mots simples pour les personnes qui ont oublié cette langue et qui ont envie de faire un petit peu de se rappeler, hein, quelques mots essentiels. Hein. Mais on a mis en place aussi les cours de polonais, donc pour des débutants. Hein. Tous les lundis, on va vous donner des fiches tout et un son cours, si vous voulez. Voilà. Il y a une grande communauté polonaise sur... Il y a une grande communauté, oui, il y a une grande communauté, il y a beaucoup de Polonais, parce que avant la guerre, après la guerre, il y a eu des arrivées de Polonais. Et il y en a beaucoup dans la région de Longwy, etc. Mais là, sur Nancy, il y a une grande communauté polonaise. Oui. Et nous, c'est vraiment ouvert, polonais et français, c'est pour, en fait... pour faire connaître la Pologne et les événements qui s'y passent. On parle de chaque ville, des grandes villes, la Varsovie, Cracovie, les fêtes, les choses un peu particulières, comme on a présenté ici un tout petit peu, les traditions, liées aux fêtes, les fêtes, et voilà.